Claude Honesta, on a parlé d'accélération du temps, mais l'accélération du cœur, ça devait être pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Alors, je vais vous poser d'abord une question simple, mais j'en pense que la réponse peut prendre des années. C'est quoi les clés d'un jeu collectif réussi Comment est-ce qu'on arrive à privilégier des individus forts au sein d'un groupe Et aussi, comment vous arrivez à motiver l'équipe pour qu'elle ne s'endorme pas sur ses lauriers après tout ce qui s'est passé. Simple, non euh, Oui, c'est ça, mais on est là pour trois semaines, hein, donc il euh, va falloir nous porter des, des plateaux repas de temps en temps. Euh, écoutez, je crois que je vais, je vais d'abord, de, de, parce que ça, ça va être le cœur de nos échanges, mais comme j'ai assisté hier soir à, à ce moment sur, le, sur la crise du temps, je voudrais aussi essayer de, de venir partager un peu ces choses-là avec vous, parce qu'on est nous-mêmes pris par cette, cet emballement et cette sensation de, de devoir toujours faire plus et mieux, mais souvent plus que mieux. Et c'est peut-être ce qui nous rend fous, parce que ce que je voulais vous, vous expliquer, c'est que justement dans le sport de haut niveau, on a l'impression qu'il faut faire toujours plus vite. Alors c'est vrai pour, pour Usain Bolt, mais, mais c'est peut-être le seul pour qui c'est vrai. Tous les autres vont devoir associer des notions de vitesse avec des notions de maîtrise, avec des notions... Et, et on parle beaucoup, nous, dans nos, dans nos organisations sportives, du bon timing. Et alors le bon timing, c'est quoi C'est tout te fait être capable de jouer à la dimension de ce que techniquement on est capable de réaliser. Le problème du trop vite, si vous regardez ce qu'est ce qu le, le haut niveau, alors le haut niveau, bien sûr, quand on regarde ces choses-là, on a l'impression de voir des gestes exceptionnels. Ben, si vous allez voir des, des gamins jouer, vous allez voir effectivement des gestes qui ressemblent à ça, c'est-à-dire que l'action elle-même est de la même composition. Ce qui va la différencier... Et ce qui va être cette maîtrise du haut niveau, c'est effectivement la capacité que vont avoir les joueurs à réaliser ces mêmes gestes-là de manière parfaite, mais également dans un espace, dans un espace-temps qui va être de plus en plus réduit. Donc le très haut niveau, c'est pas faire des choses exceptionnelles que les autres ne comprendraient même pas, même si parfois ça arrive, mais même c'est extrêmement rare. Par contre, les joueurs de très haut niveau sont des joueurs capables d'avoir des réponses excellentes dans des environnements très réduits. C'est-à-dire, on va réduire le temps, effectivement, on va le réaliser plus vite, et on va réduire l'espace. On va le, le, le réaliser dans un espace plus court. Et donc, quand Zidane recevait un ballon et engagé son action. Dans le temps où il recevait son ballon, il avait déjà orienté ses épaules, déjà engagé son corps, et sa motricité était déjà prête à réaliser l'action suivante. De manière, de manière totalement non réfléchie, mais de manière acquise. Alors certains arrivent à acquérir plus vite que d'autres. Mais si vous regardez la même action réalisée par un gamin de 12 ans, il va commencer par mal évaluer la distance pour contrôler le ballon, donc il va mal le contrôler, le ballon va aller à 2 mètres, il va devoir courir pour le récupérer, il va devoir se retourner et engager une action, ce qui veut dire qu'il lui a fallu plus de 2 mètres et il lui a fallu 2 secondes de plus que Zidane pour réaliser cette action-là. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que si on regarde jouer les plus jeunes, on dit bouh, il y a beaucoup de pertes de balles, le ballon il le perdent, l'autre le récupère, il le repère à son tour. Parce que uniquement les gens ne jouent pas au rythme qui correspond à leur maîtrise technique. En voulant jouer plus vite, eh bien, ils échouent parce que tout ce qu'ils essaient de faire, alors ils essaient de copier le rythme alors qu'ils devraient effectivement s'attacher beaucoup plus à la maîtrise qu'ils ont de l'engin, de, de la technique nécessaire. Donc je pense que quand on veut accélérer, il faut d'abord être capable de maîtriser les éléments qui vont permettre la réussite malgré l'accélération. Et ça, ça vaut dans tous les domaines d'activité. Des gens qui veulent aller très vite, mais qui finissent par aller beaucoup plus vite dans le mur, il y en a plein. Donc ce qui nous intéresse, c'est non pas aller vite dans le mur, c'est éviter le mur et aller à l'endroit qu'on avait identifié dans les meilleures conditions. Et parfois, dans le sport de haut niveau, on se rend compte que les vrais génies ne sont pas ceux qui accélèrent tout le temps, mais sont au contraire ceux qui sont capables d'accélérer puis de décélérer, c'est-à-dire qui vont générer ce qu'on appelle les changements de rythme parce que ce qui va perturber votre adversaire, c'est justement ce changement de rythme. Si vous courez toujours à fond, il va lui-même toujours courir à fond. Et pour peu qu'il soit capable de courir plus longtemps à fond que vous, il va vous mettre en échec. Si par contre vous êtes capable de mettre des pièges dans votre parcours et de temps en temps donner l'impression de décélérer pour mieux le surprendre et effectivement, lors de la nouvelle accélération, le distancer, c'est exactement ce qui va faire que ce rapport de force qui va s'établir avec votre entourage va finir par devenir performant. Donc tout ça pour dire, ceux qui accélèrent tout le temps ont beaucoup plus de chances que les autres d'être en échec. Donc la véritable maîtrise de la performance et aller accéder au plus haut niveau, c'est justement acquérir la maîtrise du temps. Et hier, on parlait de limites, Limite, elles sont effectivement assez différentes des uns aux autres. Mais je crois que ce qui doit permettre à chacun d'identifier sa zone d'efficacité, c'est effectivement le moment où l'accélération n'est plus maîtrisée. C'est comme quand on conduit. Hein. Si on a l'habitude de prendre un virage à 60 km/h, ce n'est pas parce qu'on va vouloir aller plus vite et le prendre à 120 qu'on va y arriver. On va peut-être arriver à 120, mais on va peut-être arriver dans l'arbre. Donc, je crois que la, la véritable performance est progresser dans le niveau, c'est continuer à avancer, à améliorer, donc à faire mieux, mais pas forcément en faisant plus vite, mais en ayant la maîtrise de ses capacités et d'accélération et de décélération par moment. Ce qui veut dire que par moment, pour faire mieux, il faut faire moins et ça, effectivement, lorsqu'on est engagé dans une course-poursuite de productivité, de, de rentabilité, on a l'impression que faire moins, c'est fauter. alors que quand je dis faire moins, c'est pas pour dormir. et encore que parfois dormir est une solution à la performance. mais faire moins, c'est arriver à maîtriser d'une certaine façon, avoir une forme de maturité, dans le niveau auquel on vient d'accéder. Ça veut dire que parfois, il faut être capable de stabiliser une étape pour bien être capable de la digérer et pour pouvoir mieux adapter l'étape suivante. Et le fait de vouloir toujours continuer à consommer sans digérer, ça finit par effectivement vous rendre malade. Donc, je crois que ça, il faut vraiment... Identifié dans cette espèce de perturbation permanente. Alors la perturbation, elle existe. Nous-mêmes, on est en permanence dans des, des environnements de plus en plus de plus en plus mobiles, de plus en plus schizophrènes, de, parce que autour de nous, tout le monde va vite et tout le monde nous demande tout de suite. Quand vous essayez d'expliquer qu'il va falloir travailler pour essayer d'installer peut-être cette maîtrise, ces savoir-faire qui sont nécessaires non pas pour réaliser le coup une fois, mais pour être capable de le de réaliser dans la durée, ben effectivement, les gens vous disent oui, oui, ça c'est bien, c'est intelligent de travailler. Sauf que si au deuxième match, vous n'avez pas commencé par, par, par gagner, on va vous dire oui, t'es bien gentil avec ton travail, mais dépêche-toi de gagner, parce que nous, on n'a pas le temps. Le journaliste, il ne peut pas attendre deux ans pour écrire un article positif. Il a préféré vous tuer avant, hein, parce qu'au moins, quand il vous tue.. Son journal peut se vendre. S'il raconte toute la journée que vous êtes en, en train de travailler, ça va pas amuser les gens et on, on, on met pas un euro dans la poche du, du vendeur de journaux juste pour entendre que les autres travaillent. Mais alors Claude, quelle est la place de l'individu du coup dans le collectif Alors, non mais je, non, j'aurais plutôt parce que ce que j'ai entendu hier, ça se rapportait toujours à l'individu. C'est-à-dire, on disait voilà comment fonctionne l'individu, voilà comment il souffre, voilà comment il vit, voilà quel est son, son positionnement. Et effectivement, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir comment, en associant les gens, on allait effectivement les rendre plus utiles les uns aux autres. Et que l'enrichissement, au lieu d'être un enrichissement individuel, va devenir un enrichissement collectif. Alors, quand je dis ça. Ça paraît complexe à tout le monde, parce que depuis qu'on est petit, on nous a dit qu'il fallait être les premiers. Alors, c'était bien exprimé hier, c'est que la nature du premier, c'est qu'il est seul, et ça veut dire que tous les autres vont échouer. Donc, on génère des, des, effectivement des populations de gens en échec, parce que cette quête du premier est, est complètement illusoire. Donc, pour autant, on nous a expliqué qu'il fallait être les premiers, on nous a expliqué qu'il fallait effectivement se méfier des autres, parce que tout compte fait, tout le monde est adversaire. Même celui qui joue dans votre équipe avec le même maillot que vous, tout compte fait, c'est votre adversaire. Puisqu'on a décidé en hein, haut lieu que la seule façon pour élever les gens, c'était de générer de la concurrence. Alors, vous savez ce que c'est La concurrence existe à l'école, puisqu'on fait un classement. C'est qu'on va mettre les gens en concurrence et on va les classifier. La concurrence existe au travail, puisque quand même au travail, on vous dit, vous êtes tous dans la même équipe, mais seuls les deux premiers seront récompensés à la fin de la course. Donc cette concurrence fait que, tout compte fait, le gars qui est assis à côté de moi au bureau, c'est aussi mon adversaire, puisque s'il mange la prime, ça veut dire que moi je ne la mangerai pas. Donc tout ça fait que, aujourd'hui, que je suis devenu a priori un expert de l'équipe et que le monde de l'entreprise me sollicite beaucoup. Pour savoir comment je pourrais les aider à construire leur équipe. Et en gros, ils me disent souvent voilà, nous aussi, on a de bons joueurs, mais on n'arrive pas à avoir de bonnes équipes. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à construire l'équipe de notre société Et très souvent, je leur dis mais il n'y aura jamais d'équipe dans votre société, parce que les bases mêmes de l'organisation du travail chez vous ne sont pas faites et ne plaident pas pour la dimension collective. Donc, Imaginez, vous avez, vous êtes tous, ou vous le serez, des managers conséquents, avec des équipes, voire de nombreuses équipes en dessous de vous. Quelle est la problématique d'une équipe Pourquoi les gens vont s'associer Puisque je vous le dis depuis le départ, ce n'est pas naturel de s'associer. Enfin, ça l'était peut-être à l'origine du monde, hein, puisque les gens avaient quand même tendance à vouloir vivre en communauté, en groupe, en tribu. Et on n'avait pas forcément envie d'avoir chacun son trou et chacun son arbre. On essayait de parce qu'effectivement, la notion de communauté, c'était aussi une façon de se protéger, peut-être de sentir qu'ensemble on était, on était moins, moins à la merci des dangers. Donc, ce groupe qu'on va essayer de recomposer, il va falloir qu'on agisse sur les comportements habituels de chacun. C'est à dire passer de la méfiance à la confiance. Pourquoi va-t-on se faire confiance Encore une fois, si on est sur des bases traditionnelles de récompense individuelle, il n'y a aucun enjeu et aucun intérêt pour que je le fasse. Eh, vous êtes dans une équipe de 10, vous avez 10, pers 10 collaborateurs. Si vous leur expliquez qu'ils vont partir de la même ligne de départ un matin et que le soir, les, premiers, les deux premiers seront récompensés, ces gens-là vont la faire, à la course, bien sûr. Parce qu'ils y sont habitués. Sauf que mettez-vous la place de celui qui, de jour en jour, se rend compte qu'il arrive tous les jours sixième, septième, huitième, neuvième, et qui comprend très vite qu'il ne sera jamais au rendez-vous de la récompense. Parce que cette récompense, de fait, elle est inaccessible pour lui. Que va-t-il faire Pensez qu'il est bête pour continuer à courir à fond tous les jours Non. Il va arrêter de courir vite et la seule, puisqu'il ne peut pas être dans le projet que vous lui proposez, mais qu'il ne peut pas faire autrement non plus, puisque c'est quand même la relation de dépendance qui existe avec lui et vous, il va donc à partir de là utiliser son énergie non plus pour agir et courir vite, mais il va l'utiliser pour se faufiler et ne pas se faire attraper. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, énormément de personnes dans les organisations au travail, N'ont pour ambition que de se faufiler pour ne pas mettre en évidence ou leur incompétence ou leurs difficultés ou leurs doutes. Et donc, toute la journée, à chaque fois qu'ils rencontrent un chef, ils mettent le masque de celui qui va bien. Et dès que le chef est parti, pff, ils se relâchent, ils vont se planquer. Alors, imaginez une vie de travail construite avec cette ambition quotidienne. Alors, c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que disait Anne. Et vous voyez bien que on finit par penser qu'on doit motiver les gens avec qui on travaille. Mais quelle drôle d'idée. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que les gens qui viennent travailler ne sont pas motivés. Alors ça quand même, imaginez-moi devoir motiver un de mes joueurs pour qu'il ait envie de gagner le match. Je dis quand même, si lui, il n'a pas envie de gagner le match, alors qu'il passe la moitié de sa vie à, à, à s'entraîner pour le faire, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire, où, où vite, il faut le, le, le réorienter, qu'il devienne jardinier, ou je ne sais pas, peut-être. Mais d'évidence, il n'a plus rien à faire avec nous. Mais de la même façon, vous, vous pensez que vous avez à motiver vos troupes, parce qu'ils seraient tombés malades de la motivation. Alors ça, drôle de maladie. Et évidemment, si on avait trouvé le cachet de la motivation, celui qui pourrait guérir les gens, tous les matins, on leur donnerait le fameux cachet, et ils deviendraient joviaux et utiles au travail. Moi, je considère très souvent que tous les gens qui se sont engagés dans une forme d'action, dans une forme de, de, de travail, de mission qui leur a été confiée, au moins au début, avaient l'ambition de le réaliser parfaitement bien. Et ils espéraient être à la hauteur de ce travail qu'on leur proposait. Et quand le travail était moins intéressant, ils, int ils espéraient le réaliser bien, peut-être pour qu'on leur en propose un de plus intéressant. Mais tous, au départ, avaient l'ambition de réussir. Qu'est-ce qu'il fait que quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, cette ambition ne soit plus au rendez-vous Plutôt que de penser que c'est lui qui est tombé malade, essayez. D'analyser et de comprendre comment vos organisations, comment le quotidien que vous leur proposez va peu à peu dégrader et aller jusqu'à anéantir cette mobilisation, cet investissement, cette envie de réussir. Donc je pense que la plupart du temps, nous sommes responsables des problématiques de motivation de nos. Alors effectivement, la bonne conscience, c'est de se dire ben, on va essayer de les remotiver. Moi, j'aurais tendance à vous dire, commencer à être plus, plus bienveillant, commencer à identifier que des gens qui vivent bien ensemble vont pouvoir mieux réaliser ensemble. Et à partir de là, vous allez effectivement donner du sens à ce qu'est la valeur de l'équipe, donner du sens à ce qu'est le projet collectif. Vous allez effectivement faire que des gens qui, jusque-là, craignaient les autres, vont petit à petit se rendre compte que les autres ne sont pas un problème, mais sont, peuvent très vite devenir des solutions, peuvent très vite devenir des gens qui vont t'apporter des choses que tu n'avais pas encore perçues, donc vont t'enrichir d'une certaine façon. Donc je crois que la vraie dimension de l'équipe, c'est celle-là. Et tout le monde, au départ, pense que qu'en mettant en commun, c'est la meilleure façon de perdre sa mise. Parce que les autres ne sont pas à la hauteur, parce que les autres vont tricher, parce que l'autre. Et donc, comme on ne se fait pas confiance, on ne veut absolument pas entendre parler de cette mise en commun. La mise en commun, moi, j'ai réussi d'année en année à la réaliser avec mes joueurs. C'était de dire, mais je suis parti de quelque chose de très simple. Je me suis dit, écoutez, tout simplement, pour gagner tous ces titres, je pensais que je n'étais pas assez malin. Pour avoir toujours les bonnes idées qui allaient permettre de réaliser ces performances. Et je pensais par contre qu'on était une trentaine et que si les trente s'associaient et partageaient les idées, ben l'idée qu'on allait pouvoir mettre en œuvre et celle qu'on allait utiliser serait sûrement de bien meilleure qualité que celle que j'aurais eue seule. Et donc à partir de là, les autres me sont devenus indispensables, ce qui ne m'empêchait en aucun cas d'avoir du leadership, d'avoir de l'autorité, d'être capable d'arbitrer, de, de choisir, de décider. Mais par contre, j'avais mis en place un système où les autres étaient capables non pas uniquement d'obéissance, mais devaient être capables d'intelligence et devaient petit à petit amender, nourrir le projet, le transformer, le faire évoluer. Et en permanence, on était dans des zones d'échange pour bien comprendre quelle était l'évolution nécessaire, mais pas l'évolution nécessaire pour le chef l'évolution nécessaire, celle qui paraissait nécessaire au plus grand nombre. Ce qui veut dire qu'on passait petit à petit du projet du chef, du projet du patron, au projet de l'équipe. Et à partir de là, le projet de l'équipe, c'est quoi C'est un endroit où on se dit, je mise. On met tout dans une bassine et tout le monde va miser dans cette bassine. Et à partir de là, tout ce qu'on aura mis en commun doit nous permettre de réaliser les performances recherchées. Et le pari que j'ai pris avec eux, c'était de leur dire, écoutez, à mon avis, si on met tout en commun, on va aller vers des niveaux de performance qui seront bien supérieurs aux performances que l'on aurait pu réaliser traditionnellement. Et donc, on peut également imaginer que le niveau de récompense sera aussi bien supérieur à ce qu'il aurait été. Et donc, tout compte fait, en décidant de mettre en commun le niveau de récompense que chacun pourra recevoir. Sera bien supérieur à ce qu'il aurait réussi seul. Donc, ce n'était absolument pas une mise en commun par générosité ou par gentillesse, c'était une mise en commun par intérêt partagé. Même si tu ne penses qu'à toi, ce que tu obtiendras avec les autres sera sûrement plus conséquent que ce que tu aurais pu obtenir seul. Donc, ça, ça a vraiment été la base même de notre travail. Et effectivement, les gens ont commencé à se parler, ont commencé à s'associer, ont commencé à collaborer des formes de loyauté. C'est-à-dire à partir du moment où on travaille ensemble, on met en commun, on n'a pas le droit de trahir. Donc d'une certaine façon, on reste positionné même quand les choses deviennent compliquées. Et imaginez, bon, l'édifice est un peu grand, mais vous êtes dans une pièce, et cette pièce, ben, eh, il y a une tempête, et puis ça commence à trembler un peu autour. Quelle est la première réaction déjà c'est effectivement de courir vers les issues de secours pour s'échapper. Sauf que lorsque cet, cet édifice est tout compte fait votre projet commun, ben quand c'est votre projet commun, vous savez que l'échec de ce projet sera l'échec de tous puisque vous avez participé à le construire. Alors que dans une situation obéissante pure, c'est-à-dire lorsque vous vous contentez de faire ce que l'on vous dit de faire, vous n'êtes pas dans votre projet. Vous êtes dans le projet de ceux qui décident. Et donc ce projet-là n'est pas le vôtre. Donc en cas d'échec, on ne pourra pas vous attribuer cet échec-là. Le nombre de gens qui disent Mais moi j'y suis pour rien. Moi j'ai fait ce qu'on me disait de faire. Si ça ne marche pas, allez voir les gens qui nous donnent les ordres. C'est eux qui ont la, la responsabilité de, de la réussite ou de l'échec. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez associé les gens. Vous les avez rendus dépendants les uns des autres, même en cas d'échec. Donc, puisqu'on sait qu'on va devoir assumer un échec, on va tout mettre en œuvre pour qu'il n'arrive pas. C'est-à-dire que là où l'autre, celui qui est obéissant, a déjà commencé à fuir, parce que tout compte fait, ce c'est pas, pas sa maison, et si est homme, il s'en fout, et on ne va pas mourir pour la maison du patron. faut pas exagérer quand même. Par contre, pour la maison qu'on a construite avec les autres, on est capable de rester plus longtemps. Et on est capable de vraiment ne fuir qu'au moment où elle va vraiment tomber. Mais jusque-là, on aura tout mis en œuvre pour qu'elle ne tombe pas. On aura tout mis en œuvre. Et dans de nombreux cas, on voit, on voit les réussites, on voit les gens qui s'embrassent parce qu'on a gagné. Mais le nombre de matchs, notamment le nombre de matchs décisifs que l'on a gagnés, justement parce qu'on arrivait au moment où le match devenait très difficile, très tendu, très inquiétant. On sentait souvent l'équipe adverse commencer à s'éparpiller et aller se cacher de peur de l'échec. Et nous, au contraire, notre équipe de gens habitués à, à, à collaborer, ben, notre équipe se fédérer devenait encore plus forte dans les moments de difficulté. Donc je crois que la vraie valeur de l'équipe, c'est ça. C'est-à-dire que puisqu'on a construit ensemble, on va être capable de défendre ce que l'on a construit ensemble. Et encore une fois, mes joueurs, au départ... Avaient beaucoup plus d'opportunités pour se battre les uns contre les autres que véritablement pour s'associer. Je crois que l'association, encore une fois, et la collaboration devient un acte d'intérêt partagé. Claude, je suis obligée d'être rigoureux sur le temps parce que vous avez un avion, vous devez rejoindre une équipe à Toulouse. Et je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle. On a, on a la chance de vous avoir. Mais c'est vrai qu'il a donné beaucoup de clés. Hein, mais, voilà, il, là, il, y en a, il y en a une là et une là. Alors. marche pas Bon, alors on commence à celle-là. Une là. Allô ouais. <laughs> euh, On est dans un séminaire aussi de transformation numérique euh, dans le sport. Elle est aussi de plus en plus présente. Euh, il y a eu quelques années euh, la mise en place de la vidéo qui a permis de, de capitaliser sur les, euh, les, les matchs, euh, les actions qu'on voulait garder et puis les, les, les choses moins, moins bien faites. Il y a la, maintenant la mise en place de tout ce qui est GPS joueur avec des données intrinsèques qu'on peut récupérer pour analyser un petit peu euh, l'efficacité d'un joueur, l'état de forme, etc. Et puis. Il y a maintenant des données qui permettent d'identifier euh, la manière dont l'équipe euh, ensemble fonctionne. Comment euh, vous, en tant que leader aussi, avez réussi à, à accompagner euh, l'utilisation de ces outils dans l'organisation du, euh, du handball en, en France euh, et à en faire quelque chose d'efficace de, Oui. Alors, je vais vous répondre de manière peut-être un peu, un peu provocante. Je suis un vieux bonhomme, hein, voilà, la couleur de mes cheveux, l'acte, euh, et j'ai longtemps été un technicien que certains disaient de haut niveau. Donc ça veut dire que je me suis longtemps préoccupé de l'outil, et j'ai toujours considéré que l'outil était essentiel pour réaliser... Des performances adaptées. Donc c'est vrai que depuis quelques années l'outil s'est transformé et nous faisions de la vidéo à l'époque avec les, les bandes de VHS avec avance, recul et puis on mettait trois heures pour montrer trois actions. Aujourd'hui c'est vrai que les, les, les logiciels informatiques sont venus à notre rescousse et aujourd'hui on analyse un match en temps réel, c'est-à-dire que les gens qui rentrent les données, donnent les, rentrent les données en même temps qu'ils regardent le match, dès la fin du match, voire à la mi-temps, on est capable d'aller utiliser des séquences qui vont éclairer les situations, problèmes. Alors ça, c'est passionnant, autant qu'on en garde la maîtrise. Et là, je suis très clair, ce que m'a appris le parcours, ce que m'a appris peut-être l'expérience que j'ai de ce haut niveau, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui passent leur vie à travailler les outils. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on a toujours l'impression que si on avait un meilleur outil, on réaliserait de meilleures performances. Et donc, ces outils, qui sont essentiels, hein, encore une fois, ne me, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, si vous ne maîtrisez pas la technique du, du, du périmètre dans lequel vous évoluez, vous n'aurez pas de performance. Par contre, si vous pensez que la technique seule va vous permettre de réaliser la performance, à mon avis, vous êtes dans l'illusion. Tout le monde aujourd'hui cherche les outils. C'est-à-dire que, regardez, à commencer par les politiques, ce dont on, vous parle, on ne vous parle que d'outils. Moi, je ferai ça, moi, je ferai ça, moi, je ferai ça. Sauf que, on se rend bien compte que tous les outils qu'on nous propose depuis des, des dizaines d'années ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas très bien ou, et que le, le nouvel outil est, 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 mieux, est, est mieux designé, mais tout compte fait, c'est un peu, la, 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 je dirais, la même utilité qu'on va rechercher. Donc, on a tous l'impression que, si on avait un meilleur outil, les choses iraient mieux. Or, aujourd'hui, et, et ça rattrape la notion de crise de temps dont on parlait, aujourd'hui, on ne peut plus... Façonner l'outil, l'essayer, puis une fois qu'on l'a validé, le mettre en application et l'utiliser. Ça, ça, ça fonctionnait comme ça il y a 50 ans. Aujourd'hui, en même temps qu'on doit utiliser l'outil, on doit le faire évoluer, on doit le transformer, parce que si vous mettez trop de temps à, à savoir l'utiliser, au moment où vous saurez l'utiliser, il sera déjà dépassé, et donc vous n'aurez pas tiré profit de son outil. Alors, dans cette crise du temps, dans cette crise de la technologie, c'est-à-dire que la technologie devient un élément essentiel. C'est-à-dire on a l'impression que si on ne fait pas référence à une solution validée, on va à l'échec. Alors, je ne sais pas si tout le monde est de la génération à avoir vu MacGyver. Mais est-ce que vous connaissez MacGyver Celui qui n'avait jamais d'outils et qui se sortait de toutes les situations mais je crois que le manager, c'est effectivement, il doit demain être plus MacGyver que, je dirais, le professeur Tournesol. Les outils sont indispensables. Vous aurez des gens autour de vous qui seront capables de vous apporter l'utilisation de l'outil. L'outil va venir valider va venir encadrer. Sauf que si tout le monde se cache derrière l'outil, on ne progresse pas. Il faut des gens capables à un moment donné, non pas d'être préoccupés par la qualité de l'outil. Ce sur quoi vous devez, vous qui managez les hommes, vous préoccuper, c'est la façon dont l'homme est capable d'utiliser l'outil. Quand je dis l'homme, c'est bien sûr l'homme et la femme. Donc, la préoccupation que j'ai eue au fil du temps, c'était effectivement de mieux comprendre mes joueurs, mais pas mieux comprendre mes joueurs dans leur dimension technique. Mais au contraire, dans leur, dans leur dimension humaine, mentale. Donc, comment réagit-il Comment fonctionne-t-il Quel est son carburant Comment peut-on l'associer à un autre Pourquoi vont-ils rentrer en relation conflictuelle Et tant que vous n'avez pas compris ça, et tant que vous ne vous préoccupez pas de ça, vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, vous ne performerez pas forcément. Le nombre de gens qui ont des, des ateliers dans leur garage merveilleux, et qui ont les meilleurs outils du monde, et qui tous les jours, à chaque fois qu'ils plantent un clou, se foutent un coup sur les doigts, il y en a plein. Ce n'est pas l'outil qui rend l'ouvrier génial. C'est quand même la capacité que l'ouvrier va avoir à utiliser l'outil. Donc oui, tout ça nous a fait mieux travailler. Mais ne nous perdons pas dans la dimension technologique, parce que ce qui reste essentiel, c'est la capacité des hommes à utiliser les outils de manière intelligente. À se les passer, avec deux outils peut-être, à réaliser momentanément l'utilité de l'outil dont on ne dispose pas. Voilà, c'est ce côté un peu MacGyver, ne le perdez pas, parce que sinon vous passerez votre vie à expliquer vos échecs, vos difficultés par l'outil que vous n'avez pas. Moi j'ai des techniciens autour de moi, des adjoints, qui à chaque fois me disent Mais là on ne peut pas répondre à cette question, on n'a pas eu le temps de travailler la réponse. Ben oui, mais si tu veux travailler toutes les réponses, tu n'es jamais au rendez-vous de la réussite. Quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment où il va falloir justement que ton équipe ait réussi à acquérir suffisamment d'autonomie, parce que ce que ne dit pas ce qu'on analyse, c'est comment réagir dans la circonstance imprévue dont le cas n'a jamais été analysé par, ta, par tes outils. Ça veut dire qu'à un moment donné, un match, par nature, c'est quelque chose où l'autre va venir perturber ce que tu avais préparé. Et parfois, cette perturbation va venir dans des périmètres que tu n'avais pas encore travaillé ou pas imaginé. Si à chaque fois, tu restes bête et tu dis ben, il va falloir que je travaille, un attendant, tu as perdu le match. Donc, ça veut dire que ce qu'on doit obtenir, c'est bien sûr la maîtrise des outils au maximum, donc une technique la plus affinée possible, mais aussi créer les conditions de l'autonomie. Qui vont faire que les gens, en même temps qu'ils utilisent la technique, se sont habitués à répondre à des situations imprévues. Et c'est quand même dans ces situations imprévues qu'on va la plupart du temps aller chercher les performances réelles. Alors, Claude, il nous reste 5 minutes. Question courte Réponse courte Oui. Bon. C'est plus dur. <laughs> oui, bonjour. Vous avez joué face à des adversaires. Nous, en entreprise, on joue contre des concurrents. Euh, comment avez-vous intégré euh, l'étude de vos adversaires dans vos euh, processus de préparation de, de match Est-ce que vous préfériez vous focaliser sur vos qualités plutôt que sur les faiblesses des, des adversaires Alors, oui, ça c'est important. Et, et hier, là, quand, on, quand on écoutait un peu ces, ces écoliers et, et ce bel instinct, on nous racontait la vie de l'école ou la vie. La vie euh, là, j'ai senti. Pour revenir, et je reviens rapidement ensuite. Qui était ce drôle d'homme qu'on a vu hier soir Quelqu'un qui avait cheminé à l'inverse des autres. C'est-à-dire que les autres vont vers la lumière, ou ce qu'ils pensent être la lumière. Et lui, peut-être parce qu'il a failli se brûler à la lumière, a fini par redescendre. Et donc, c'est ce qu'on essaie tous d'être au fil du temps, peut-être pas dans le début de nos carrières, mais on essaie d'être des passeurs de sens. C'est-à-dire, à quoi ça sert ce que l'on fait Mais moi, quand je passe ma vie à gérer des gens qui vont envoyer un ballon dans un filet une fois de plus que l'autre. Mais est-ce que vous pensez, alors que j'ai perdu le sommeil depuis 30 ans, que ça a du sens Comment ça peut me réveiller la nuit, un truc aussi con Donc, si je, ne vais le, si je devais le limiter à ce que ça représente vraiment, Franchement, ça serait imbécile. Donc, quelle est cette activité qui génère chez moi autant d'engagement, autant de passion, si je ne suis pas capable de l'analyser en termes de sens Et le sens, vous êtes dans un parcours de vie où encore, je pense, pour la plupart, vous vous posez la question du comment Comment faire Comment faire mieux Comment faire plus Comment améliorer ben, ce, ce que m'a appris la vie à moi, c'est que je m'en suis posé des communs aussi, et je m'en pose encore. Mais j'ai compris un, un jour que si de temps en temps on ne se posait pas la question du pourquoi, on n'arrivait plus à répondre au comment. Pourquoi le fait-on À quoi ça sert quel est, quel est le sens de ce que je réalise Pourquoi je vais dans cette direction C'est ces questions-là auxquelles il faut répondre. Et le jour où vous arrivez à répondre à ces questions-là, je pense que vous allez mieux ordonner la façon de réaliser dans le périmètre que vous avez choisi. Donc je reviens là-bas, l'adversaire. Alors c'est quoi l'adversaire ben, On peut le diaboliser, c'est l'ennemi. Hein, tu chantes la marseillaise, il est question de, de sang qui coule dans les sillons. Des fois, il ne faut pas, faut pas trop écouter ce qu'on qu chante, hein, parce que c'est un peu inquiétant quand même. Ce n'est pas l'image du monde qu'on est en train d'essayer, même si on se dit que bon, partout autour du monde commencent à fleurir des, des, des drôles d'ostrogo. De, qui... Mais l'idée, moi j je pense que j'ai beaucoup évolué le jour où j'ai compris que je ne jouais pas contre mon adversaire, mais que je jouais avec mon adversaire. Et c'est essentiel dans mon parcours. Je vous le dis, alors, dans le parcours des pourquoi, hein, pas des comment. Tout, un jour, j'ai compris que mon adversaire, que jusque-là j'identifiais comme un ennemi, était tout compte fait mon meilleur ami. Mon meilleur ami parce que c'était le seul qui m'obligeait à devenir meilleur. Donc, mon adversaire n'est pas le diable, mon adversaire est celui qui, par sa qualité, va m'amener à m'améliorer. Et donc, d'une certaine façon, je vais me nourrir de lui. Je vais me nourrir de ce qu'il sait faire et que peut-être il réalise mieux que moi. Je vais me nourrir de tout ça. Et ça, le jour où vous acceptez non plus de montrer votre concurrent ou votre adversaire comme un diable, mais au contraire comme quelqu'un de génial, qui dans certains domaines est allé plus loin que vous, à améliorer des secteurs qui sont encore défaillants chez vous, à chaque fois, il va faire émerger vos propres besoins d'évolution, vos propres besoins de transformation. Donc, quand vous parlez de votre adversaire, par pitié, parlez-en en bien. Comment pouvez-vous espérer que vos équipes se mobilisent pour battre un adversaire médiocre que vous ridiculisez des fois quand vous parlez de lui Si je dois jouer quelque, comme, contre quelqu'un de faible, de médiocre ou de moins bon que moi, c'est donc que je n'ai pas besoin d'être à mon meilleur niveau pour pouvoir le battre, hein, puisqu'il est aussi couillon que tu le dis. Donc, plus votre adversaire va être présenté comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de, de fin, capable d'aller à l'essentiel et de bien réaliser les choses, plus vous allez devoir trouver en vous-même des réponses de ce niveau-là. Donc, plus tu dégrades ton adversaire, plus tu dégrades le niveau d'engagement et de mobilisation de ta propre équipe. Merci Claude. Je crois qu'on s'est bien nourri là de tout ce qu'il avait à nous apporter. Merci beaucoup. Merci à vous.